chef. Les championnats risquent de tourner à la catastrophe, car toutes les médailles ont disparu. Ça pour un mystère, c'est un mystère. Pour cette mission, nous devons rechercher activement les médailles. J'ai donc besoin d'une équipe composée des meilleurs policiers et menée par notre expert, Chase. Compte sur moi. La patte patrouille part en mission. Vite, nous devons à tout prix retrouver ces médailles. Rocky, repère les empreintes avec ton scanner. Entendu. Aucune trace pour l'instant. Du nouveau, Marcus? Je vois plein de pétales de fleurs tout autour du pupitre. J'ai peut-être une piste. Il faut que tu viennes voir ça. Vas-y, grimpe. Là où étaient les médailles? Des poils de chat. Mais il n'y a aucune trace de pattes dans le sable. C'est parce qu'ils ont utilisé un appareil pour filer à toute vitesse dans le ciel. C'est pour ça que les pétales sont tombés des fleurs. Mais comment on va rattraper ces chatons volants et voleurs? J'ai une idée. Allez les chercher. Stop! Et bats les pattes. Oh. Oh. Donnez-nous toutes ces médailles. Non, elles sont à moi. À moi, à moi, à moi. Oh. Allons sauver Monsieur Ellinger. Stella, suis-le depuis les airs. Entendu. J'ai l'impression qu'il fonce vers un mur de rocher. Filet. Oh, j'ai eu chaud. Très bien. Donnez-moi mes médailles maintenant. Désolé, mais elles seront décernées à ceux qui les méritent. Un grand merci à Chase et à toute la patte patrouille. Avec grand plaisir. Si vos médailles disparaissent, il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet, prête à l'action, chef. Merci d'être arrivé si vite. Le ballon de Monsieur Ellinger détruit tout sur son passage et risque de gâcher le concours de melon. Pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Tu utiliseras ton filet pour arrêter le ballon et limiter les dégâts. Et de toi, Rocky. À l'aide de tes outils, tu répareras tout ce que le ballon aura cassé. Allons-y, la patte patrouille part en mission. Vite, Chase, ton filet. Oui, j'ai réussi. Question, espèce, ne t'approche pas de mon vrai melon. Tenez bon, madame, et ne vous en faites pas, surtout. J'appelle tout de suite du renfort. Je suis là. Ou plutôt ici. J'étais presque. Ce ballon ne cesse de rebondir. Il faut l'arrêter le temps que Stella attrape madame Goodway. Ah, j'ai une idée. Rocky, rejoins ton camion de recyclage et prépare-toi à jouer au basketball. Et voilà. Je dois juste faire quelques modifications. Maintenant, c'est le plus grand panier de basket au monde. Suffisamment petit pour que le ballon ne passe pas à travers et suffisamment grand pour l'attraper. Allons-y. Ça devrait aller. File au bon moment. Chase, utilise ton lance-balle. Infiniment, la patte patrouille. Ravi d'avoir aidé. Si vous avez un problème de ballon, il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet, parée à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite, les amis. Al, Yumi et Bettina ont traversé un pont. Mais celui-ci s'est relevé et s'est bloqué. Ils se retrouvent donc coincés tout en haut. De Chase, tu utiliseras ton treuil pour tirer leur véhicule et l'empêcher de tomber. Marcus, tu grimperas sur ton échelle pour attacher le crochet. Et Rocky, tu répareras le pont à l'aide de tes outils. La patte patrouille part en mission. Tu as fait vite, Rocky. Cette roue semble être à la bonne taille. Mais elle n'a pas le même nombre de dents. C'est parfait. Chase, tire un petit peu plus. La taille et le nombre de dents correspondent. Clé à cliquer. Tu as bientôt fini, Rocky. Plus que quelques minutes. J'appelle tout de suite du renfort. Stella, j'ai besoin de toi pour un sauvetage aérien. Prête pour un petit tour dans les airs. Chase, utilise ton filet pour amortir sa chute.
Mais elle va atterrir de l'autre côté du pont. Rocky, occupe-toi du treuil. Chase, allons de l'autre côté avec mon quad. Faites attention, il y a un grand espace entre les deux. Le fermier Hal à redescendre en rembobinant le crochet et en reculant. Pas de problème. Oh là là. Merci beaucoup pour votre aide, la patte patrouille. Il n'y a pas de quoi. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me pour nous appeler. Patte patrouille au complet et parée à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite, les amis. Quelqu'un a pris tous les pots du délicieux miel de Madame Yumi et a emporté sa ruche. La ruche entière? Oh, c'est trop triste, ça me donne le bourdon. La personne qui a pris le miel a aussi cassé une barrière, alors les animaux de Madame Yumi se sont échappés. Alors pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase. Tu utiliseras ton matériel de vision nocturne et ton drone pour retrouver le miel et la ruche. Et aussi de Rocky. Il faudra que tu répares l'enclos pendant qu'on rassemble tous les animaux. La patte patrouille part en mission. Réparons la barrière pendant que Chase rassemble les animaux. Parfait, j'ai justement quelques planches de bois. Mégaphone. Par ici, les petits cochons. Allez, tu viens, Madame la Vache. Beau travail, les amis. Maintenant, partons à la recherche du miel et de la ruche. Les abeilles se sont installées dans mon repère. Les abeilles ont l'air de beaucoup aimer la fleur qui est sur le chapeau. Elles collectent du nectar. C'est grâce à ça qu'elles fabriquent le miel. Je sais qui appeler. Coucou, Ryder. Je peux t'aider? Oui, tu vas faire sortir les abeilles du repère de Monsieur Ellinger. D'accord. Prête pour un petit tour dans les airs. Les abeilles! J'ai une belle fleur pleine de nectar, rien que pour vous. Maintenant, reconduis-les chez Madame Yumi. Reçu 5 sur 5. Les abeilles filent faire du miel dans la ruche. Miam! Merci d'avoir retrouvé mon miel, ma ruche et bien sûr mes abeilles. Si vous avez besoin d'aide, faites bzzz pour nous appeler. Oh non, le soleil va bientôt se coucher. La tarentule géante des cavernes ne va pas tarder à sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? La patte patrouille, on est sauvés! Capitaine Turbo, puisque vous êtes à l'envers, on va essayer de vous libérer en premier. Rouf, pince! Il faut faire vite, sinon on va tomber nez à nez avec ce monstre aux pattes velues. Et entre nous, j'aimerais mieux éviter. Accrochez-vous à mon overboard, Capitaine Turbo. Wouhou, joli sauvetage, Ruben. Bravo, les amis. Maintenant, allez libérer François. Je vais dégager votre pied de la toile. Ah! Je crois que Rocky a besoin d'aide. Rocky, passe de l'autre côté du filet et tire dessus avec ta pince. Ça marche. Maintenant, on va vite te mettre en sécurité. Youhou! Il reste un turbo à sauver! C'est pas vrai! Et la tarentule géante arrive! Oh là là, son ombre est terriblement impressionnante! Je peux y arriver! Capitaine, accrochez-vous! C'est bon! Regardez, c'est... la tarentule géante des cavernes. Oh, vous vous rendez compte? C'est cette adorable petite araignée qui nous faisait si peur. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior.